Eh bien, salut à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette longue série de Pokémon. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Je sais même plus. Ah oui, on avait passé la grotte, on avait combattu, et puis on avait réveillé le Ronflex, on avait galéré à battre. Du coup, les Pokémon, ils sont comment, là? Ça passe, on va dire. Je vais mettre juste une petite aura. Enfin, deux. Sur soi, voilà. Et une aura récup PV sur soi. Voilà. C'est déjà bien. Ok. Allez, on continue notre aventure. Nous sommes sur la route 8. Oh les mains! Oh merde. Ah ah, on t'a fait peur, désolé. Tu vas bien avec ton roussil? Tu ne pensais quand même pas qu'un seul Pokédex suffirait à couvrir une région aussi grande que Kalos, j'espère. Comment ça? C'est pour cela que nous venons améliorer ton Pokédex. Pokédex des côtes de Kalos a été ajouté au Pokédex de Sora. Maintenant que le Pokédex des côtes de Kalos est disponible, n'hésite pas à le sélectionner depuis le menu Pokédex. On dit que rencontrer des gens et des Pokémon fait grandir, tu sais. Bah, il est l'heure de nous quitter. Bon voyage. Ah ouais, comment ça? Ah ouais. Kalos Côte. Kalos Sente Côte. Oh. Trop bizarre. Ok. Bah écoutez, hein. Du coup. Oula, ça a l'air d'être l'énigme à la con là. Que je viens de rater. Bon, c'est pas grave. Ah non, 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 que j'ai pas raté. Un PV plus? Je vais mettre sur mon roussil, vas-y. C'est pas avoir un petit peu plus de PV. T'es où? Ah, c'est là. Ok. Ah oui, j'ai oublié. Ah, et ça aussi, j'ai oublié, apparemment. Bon, moi c'est bien, ça nous fait voir un peu les Pokémon qui est ici. Oh, un Spoink! Un petit Spoink! Ah. C'est pas ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. Conseil dresseur, il est possible de changer de place dans les poches maintenant le stylet, le noir sans glisser. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. Bon, j'essaie d'imaginer notre combat et je crois que je peux gagner. Voyons voir. Ah. Brice, le dresseur. Il vient de... Non, 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 non. Un pan d'espiègle. Encore un Pokémon originaire dans cette région. Yeah. Gros yeux, ok. Trop charme. Par contre, faudrait que j'en mette des objets. Enfin, que je commence à leur mettre des objets. Mais le problème, c'est que... J'ai pas grand-chose. Pois sirène. J'ai peur que mon flot bébé se fasse démonter. C'est ça le problème. Faut aller gagner. Ouh, cette chance, ok. Pas très puissant le bébé, hein. Ah. 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 Ah, c'est... Il joue strat, ok, il joue strat, ok, ok, ok. Non, mais d'accord. Il joue strat, d'accord. Il n'y a pas de problème. Par contre, est-ce qu'il est plus rapide que moi? Ah non. One shot. Ok.
Je t'aime. Non, vraiment, je t'aime là. Hop, le bébé. Normalement, tu fais beaucoup plus de dégâts. Enfin, j'espère. C'est le mec. J'espère, s'il te plaît, fais plus de dégâts. Le mec en panique, tu sais. Ah. Zut. Ça commence bien. Ok, c'est bon. Les dégâts sont corrects, ça va. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Yes! Let's go! Allez, plus qu'une fois. Plus qu'une fois, plus qu'une fois, s'il te plaît, s'il te plaît. Il reste un PV, il reste un PV. T'es pas gentil. Non, t'es pas gentil. T'es pas gentil. Je suis désolé, t'es pas gentil. T'es pas gentil. T'es pas gentil, je suis désolé. Du coup, il va avoir beaucoup de retard de niveau. C'est dommage. Ok. Bizarre, c'est pas du tout, c'est pas du tout passé comme j'imaginais. Yeah. Moi non plus, figure-toi. J'ai pas de rappel. J'ai pas de rappel. Je peux pas le faire revenir à la vie, c'est dommage. Ok. Alors, tatatum. Ah, une horde de Pokémon. Ah, des gorilles. Ok. Niveau 7, normalement, je peux les. Ouais, je peux prendre la fille, ok. C'est vrai que c'est marrant ce système de horde. Moi, j'aime bien. Non. Oh! Ah. Pierre plante, pourquoi pas. Je pense pas qu'aucun de mes Pokémon puisse avoir besoin d'une pierre plante. Ouais, aucun. Pas étonnant. Ah. J'ai mon Carapuce qui a besoin du Carabaf qui a besoin d'une pierre plante. Oh. Sus. Ah mince, faut que j'en fasse tout le tour, on se parle. Au moins j'ai une pierre plante, c'est bien. It's very delicious. Pour ceux qui ont la ref. Alors, Roche sur glyphe. Et au voisin. Nous sommes à Roche sur glyphe. Il suffit de traverser l'aquarium pour se rendre à Rolifacleo. Mais il paraît que le bureau d'études des fossiles répond à toutes les questions sur les fossiles. Peut-être qu'ils sauront plus sur les pierres étranges et les méga évolutions. Qui sait? La vue a changé, tiens. D'accord, la vue a changé, c'est marrant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est ça? Bureau d'études du fossile, ok. Ah, il n'y a personne. Ah si, il y a quelqu'un. Deux secondes. Oula. Mmh. Bienvenue, graines d'archéologue. Je vois que vous avez été attiré jusqu'ici par le charme mystérieux des fossiles. Bonjour, je m'appelle Serena et voici Sora. Je rentre immédiatement dans le vif du sujet. Savez-vous ce qu'est une méga évolution? Vous êtes protégé de ce cher platane. Les méga évolutions. Hélas, trois fois hélas, j'en ai assez guère plus que vous, si ce n'est qu'elles sont liées à d'étranges pierres. Mais vous,
Vous êtes ses disciples. Il a dû vous parler des fossiles quand même. Non. Oh, j'aurais dû faire non, c'est pas grave. Bon. Ah, je savais bien qu'il prenait. Qu'il prendrait pas les premiers clampins venus pour les assister. Mais il va te faire foutre! Les fossiles, donc, sont des empreintes laissées par les Pokémon de jadis. Je pense que vous devriez vraiment vous rendre sur le site de fouilles pour mieux comprendre. Ah, vous ne savez pas rien sur le méga évolution, c'est ennuyeux. Mais je pense, mais j'y pense, avec un peu de chance, les Pokémon recréés à partir de fossiles ont un rapport avec les méga évolutions. Et si vous vouliez des fossiles, il faut demander à l'assistant du professeur, à la grotte étincelante. Que faire, puisque nous sommes venus jusqu'ici, nous pourrons rencontrer cet étonnant. Sora, tu vois la grotte étincelante? Ouais. On va aller à la fameuse grotte, on va voir. Ça va être là, je pense. C'est quoi ça? What? Ah! D'accord, j'avais pas compris. Oh, bon. Attends, les Pokémon se valent ici? Oh, un Hippopotas! Votre monture a failli écraser un Hippopotas et il vous attaque. Oh! C'est original, dis donc! C'est original. Oula, 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 qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait. Par contre, il y a deux rochers qui me barrent la route. Oh, un Galvaran. Oh, il est marrant. Galvaran, il est trop marrant, MDR. Dis donc, c'est drôle, ça. Non, c'est pas drôle. Il y a un objet ici. Trop bien. Ok. Alors. Voyons voir ce que c'est. Oh, une défense plus, pourquoi pas. Ouais, donc si je l'accumule avec l'aura défense, ouais, c'est... Oh, trop bien. Ah, bon, moi, il peut reculer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a encore un objet à droite. Oh, bah, et donc, on en trouve des choses. Alors, qu'est-ce que c'est? Kizako. L'antipara, ok. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, c'est que maintenant, comparé à avant, j'ai plus besoin de... Ça y est, j'ai enfin compris que j'ai pas besoin de chaussures de course pour courir, en fait. J'ai enfin compris ça. Ah, bon. Pas de chance. Ah, un hippopotasse encore. Sable volant. Ah là là, nous prenons la fuite. Et de deux. Et de trois. Ah bah non, il y en a des choses. Ok, là il y a un truc. Ah, il y a encore un objet. Nahin. Attends, comment je fais pour accéder? Une sombre boule, pourquoi pas? Mais comment je fais pour y accéder? Puis un monsieur là. Que dirais-tu de faire un combat aérien avec de vrais dresseurs aériens? Avec un vrai dresseur aérien? Pourquoi pas? Notre uniforme n'est pas un matériau spécial super isolant qui protège même les capacités électriques. Marcel, le dresseur aérien? Coxyclac? Oh! Ah ouais, c'est comme les Pokémon volants qui peuvent combattre. Oh, c'est génial ce concept! Bon, ça, c'est pas grand chose. Moi non plus, zut. Ah bon, moi ça le brûlait.
fera moins de dégâts en physique, ça va. Pic, je vais essayer. Il a ultrason, ok. Premier degré, je savais même pas qu'il pouvait avoir ultrason. Donc ça m'arrange pas. Bon là il a réussi malheureusement. Ouais, zut. Bon moi les KO avec la brûlure. Putain j'ai de la chance, premier flamèche qu'il fait, il est paralysé. Il est brûlé. Ah mais c'est les Pokémon qui sont touchés par les capacités électriques, pas les dresseurs. Je suis trop fort. Par contre ça je sais pas comment l'avoir, c'est pas grave. Allez monsieur le rhinocorne. Hop. C'est ça? Non, ça c'est des conseils de dresseur. Ouais, grande étincelante. Ok, c'est là. Oh! Ah oui, c'est. Oh la vache! Ah oui, c'est une grotte ultra étroite. Bon bah, vu que c'est une grotte gore entre. Il y a une grosse ombre, c'est quoi? Ah! D'accord, ok, les Pokémon sauvages. D'accord, ok. Je comprends mieux. Bah y'a rien. Oh c'est arnaque. Du coup c'est là non? Y'a encore un Pokémon sauvage. En fait on va raconter que des Pokémon. Ça va être genre cul-de-sac, Pokémon sauvage, cul-de-sac, Pokémon sauvage, cul-de-sac, Pokémon sauvage. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-bas encore un cul-de-sac? Ah non! Une pierre dure. Ça renforce la capacité des types roche, c'est ça? Je sais plus. Ouais. Augmente la capacité des types roche. Je crois que je me suis trompé. Ouais, je me suis trompé. Forcément. Donc je suis allé là. Et un Pokémon sauvage. Ah c'est bizarre ce système de... Ok, encore un rhinocorne. Alors... Par contre j'aime pas ce qu'il y a au fond de la grotte. C'est la première fois que j'ai beau avoir fait Kanto, Johto, N et tout, c'est la première fois que j'ai une grotte comme ça. Hein. Une grotte en ligne droite comme ça. Ah il est dessous la roc. Ok pourquoi pas. Il y a des Pokémon bizarres ici hein. J'allais dire il y a que de Pokémon de Kanto mais. Ah Griffon bah. Oh en vrai. En faux. je viens de là, du coup, faut que j'aille là. Encore un Pokémon. On va y arriver. Promis, on va y arriver. Promis, 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 on va y arriver. Oh, Rhinocorn. Oh. Ah, c'est drôle parce que j'en ai chevauché un juste avant. Ok. Ah. C'est la fin de la grotte. Ok. Oui. Quoi? Oula. Monsieur, bonjour. Et qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que c'est... Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La curiosité, t'as un vilain défaut, tu sais. Ça peut être une qualité. Et nous, nous ne supportons pas ce qui est vilain. Car afin de préserver le monde de la mocheté, afin de rallier tous les peuples à sa beauté et à la beauté, la Team Flair, plus classe que la classe, t'écrasera sans laisser aucune trace. Notre objectif
c'est que nous, Team Flair, on soit au top du bonheur. Et les autres dresseurs, les autres Pokémon peuvent bien aller au diable. Encore une team antagoniste qui va nous casser les... D'ailleurs, tu vas me donner une conjonctivite avec ta sale tête. Et je vais te déparer, je vais te déglinguer. Dis, tu voudrais pas disparaître là tout de suite? Bah non. J'avais testé de devoir me retrousser les manches et risquer de transpirer dans mon beau costume. Mais quand on veut quelque chose... Malos, chasse-moi ce moucheron. Et bah je vais te défendre. Mais le mec, mais... C'est même plus un melon qu'il a, c'est une pastèque, carrément. Par contre, il a Malos. J'allais dire, ouais, c'est pas... Non, ça va. L'empoisonne pas. Ok, parfait. Ok. Par contre, peut-être que j'achète des soins, moi. Danse flamme, pourquoi pas contre griffe. Aussi, vas-y. Vu que ça va se faire à petit, c'est poison vol. Ouais, poison vol, c'est ça. Oh, allez, one shot, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, cette situation quand tu one shot tes Pokémon. Après cette brillante défaite, je me retire avec élégance et diligence. Salut! Ça rentre chez ta mère. Tu iras que rendre ma chemise. Alors comme ça on fait des cachotteries, on se fait passer pour un vilain marmot. Alors que tu es un brosseur. C'est moche de ne pas annoncer la couleur. Mais sois rassuré, tu vas avoir le droit à la défilée de la Team Flair. Mmh. Ah non, attends, je peux utiliser les auras. Les auras. Hop. Récupérer sur soi. Ouais, bon. C'est pas trop ce que je voulais, mais bon. Voilà, c'est fait. Ah non, je crois qu'il y avait un autre qui tenait un objet. Gérez-vous une fois de plus. Encore ? Les gens beaux et classe peuvent faire ce qu'ils veulent, tant pis pour les autres. Vous êtes horrible en fait. Vous êtes clairement horrible. C'est quoi cette team de... Cette team de débiles ? Oh, presque. Ah non. A chaque fois, j'ai peur qu'il m'empoisonne, c'est horrible. Voilà, couché. Allez, ça c'est fait. Niveau 18, parfait. Tinavolt, j'ai rien pour contrer. Pas une trop charge. Ok, je pense être plus lent, mais c'est pas le cas. Ouais, ça suffit, j'en peux plus. Bah, t'as qu'à arrêter aussi. Tu sais, le mec qui me frappe et tout. Arrêtez, ça suffit et tout. Mais c'est toi qui me frappe. Ouais, bah, ça suffit quand même. Ah. Ok, j'ai pas vu arriver à lui. Ah, chauve-sourire. Ah, les chauves-souris, c'est comme le Nosferapti, ça casse les couilles. Ah, ah merde. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça.
Dans ma tête, il était poison. Mais en fait, non, il est psy. Oula, 2 contre 1. Voici la Team Flair, dont l'élégance fait trembler les petits et grands. Je cherchais un fossile et je trouve un mineur. C'est pas drôle. Sora! Oula. Puis s'ils sont deux, je pense que c'est le moment idéal pour... idéal pour des amis de faire équipe. Ouais. Vous n'êtes pas les premiers membres de la Team Flair à qui j'apprends de bonne manière. Vous pensez que tout vous est permis et parce qu'on vous a promis le bonheur? Mais comment vous comptez vous débarrasser de nous? Soyez réaliste. On veut le défoncer là. Deux sbires de la Team Flair, vas-y. Ah la psy Stigri, ok. Enfin le psy sur Cradopo. Oh coup critique, merci. Ça c'est fait. Pourquoi pas. Ah merde. Ah merde. Danse flamme. Ça va faire grand chose, mais... Ah non, ça va. Ah merde. Ok, attaque contre recharge. Ok, normalement il va être KO. Bon bah il est KO. J'ai oublié qu'il attaquait aussi. Ah, encore critique en plus, bon. Alors là, encore plus KO de chez KO. Hein. Courage, Team Flair, en avant, Team Flair. C'est pas grave si on a déjà perdu, Team Flair. Tu vas me faire pleurer. Oui ou moi? C'était mon costume préféré. Oh non, la note de pressing que je vais avoir. Si on restaure des fossiles, à nous la fortune, plus besoin d'attendre les soldes. C'est ça, ouais. Putain, et pourquoi tous les teams que je rencontre, corde sortie? Ah, intéressant. Ok. Oh, tu l'as trouvé? Oh, vous êtes venu chercher les fossiles, vous aussi? Tout va bien? Vous n'êtes pas tombé sur la Team Flair? La Team Flair, c'est un Pokémon? Si seulement. Il a l'air d'être complètement absorbé dans ses recherches. Vous avez de la chance, je viens de trouver 2 fossiles. Mais comme ce sont que des doublons de ceux que j'ai déjà trouvés, je vous en fais cadeau. Fossile mâchoire ou fossile nageoire? Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Nageoire, je trouve ça plus beau. C'est un fossile nageoire. Ça vient d'un Pokémon qui brillait aux couleurs de l'arc-en-ciel. Oh. Sûr que tu veux ce fossile? Oui. Fossile nageoire. Je prends l'autre dans ce cas. Passez me voir au bureau d'études des fossiles si vous souhaitez recréer vos Pokémon. Sur ce, le devoir m'appelle. Allez, pourquoi pas. En allant chercher l'assistant, nous sommes tombés nez à nez avec ces drôles d'oiseaux en rouge et de la Team Flair. Pour que la suite du voyage se déroule bien, nous devrions nous entraîner sérieusement. Pour ma part, j'irai faire un saut aux côtés de l'arène de Relifac le Haut. Ah, une arène, ok. Mmh. Du coup, hop. Hop, corde sortie. Ce que j'avais dit, il faut toujours avoir une corde sortie au cas où. Du coup, hop, on retourne de l'autre côté. Ah, mais on va sûrement retomber sur des Pokémon. Je sais pas si une petite repousse ça pourrait faire effet ici. Une petite repousse. J'ai plus de repousse. Ok. On sert de fonctionner. Nous marchons sur un rhinocorne.
Tel Dardanian sur son cheval blanc. C'est comme Link, elle est la couleur du cheval blanc de bah blanc. Non non, il était marron. Ah. Voilà pourquoi vous dites cheval blanc. C'est ça le piège. Ah. Alors. Restaurons ce fossile et voyons voir ce qu'il en est. Effet du repousse, non. C'était parfait, hop. Ici j'étudie les fossiles de Pokémon. Je vois que tu possèdes un fossile. Veux-tu que je retransforme mon Pokémon? D'accord, le fossile nageoire va redevenir un Pokémon. Le fossile que tu m'as confié a été réanimé, c'est maintenant redevenu un Pokémon. J'ai la joie de t'annoncer qu'il s'agit d'un Namagara. Prends en soin. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Non. Alors, voyons voir le Pokémon. Oh, il est tout mignon. Vent glace, bélier, non, on devrait. Oh, bah écoute. Du coup, sur ce, c'est là qu'on va se laisser. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et le plus important, des bisous.